Est-ce qu'on va prier pour les personnes? Donc on a plus qu'une heure. Gloire à Dieu. Qui sont ceux qui veulent nous accompagner en Polynésie? Pour nous consoler pendant les turbulences. Alléluia, gloire à Dieu. Vous êtes invités, hein, pas de souci. Voyez avec David qui est là. On pourra avoir des billets de groupe, hein, donc des billets tarifs réduits. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 16. Ce n'est pas évident pour nos bouts de choux, nos enfants qui se sont sacrifiés toute la journée. Ils ont été vraiment sages. Que Dieu vous bénisse, les enfants. Ah, enfin, ils suivent, hein, c'est bien. Hein. C'est bien. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Alors, c'est juste un court message qui concerne les frères et sœurs qui se réclament de Christ, qui font partie de l'Église de Christ. Et de la vraie église. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà. Yeshua est catégorique, il est clair. Il a donné et il a bâti son église. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc, Yeshua lui-même, je bâtirai, disait-il, n'est-ce pas, mon église. Paix mes brebis. On l'a vu ce matin, le Seigneur disait à Pierre. Il faut se rappeler que les brebis n'appartiennent pas aux hommes. Si vous êtes les brebis du Seigneur, vous devez comprendre que vous appartenez à Dieu. Il y en a qui me diront, mais oui, mon frère, on le sait. C'est une chose de le savoir. C'est une autre de vivre en tant que brebis du Seigneur, n'est-ce pas, de le réaliser. Parce que celui qui comprend ou ceux qui comprennent qu'ils sont des brebis du Seigneur, les brebis du Seigneur ne vont plus, mes amis, se laisser mettre des jougs. D'accord? Amen. Voilà, nous sommes les brebis du Seigneur. Je recevais un témoignage d'un frère, d'un couple. Je ne citerai pas votre nom, vous inquiétez pas. Un couple qui veut me voir pour me dire, voilà, un frère, un prédicateur, un pasteur nous a demandé d'héberger un frère. On l'a hébergé parce qu'on lui a fait confiance. Et cet homme qui se disait chrétien, qui a plus de 25 ans au moins, va abuser digitalement de leur fille de 3 ans. Et ensuite, il va aller abuser de la petite sœur du frère qui est mineure. Mes amis, et cet homme continue à travailler dans cette église. De tels individus doivent être dénoncés ouvertement au sein des assemblées. Et parce que ces assemblées ne sont pas les églises du Seigneur, alors le péché est couvert. C'est pour cela que je vous dis que, mes amis, c'est un danger aujourd'hui. Ces églises sont devenues très, très dangereuses parce que vous y envoyez vos enfants. Vous ouvrez les portes à ces personnes, voilà comment elles viennent chez vous pour abuser de vos enfants. Financièrement, moralement, et ça fait honte au Seigneur, ça fait que le nom de Yeshua est blasphémé. Cet enfant de 3 ans, vous allez lui dire un jour que cette église est de Dieu? Parce qu'elle ne va pas comprendre, elle ne comprend pas cet enfant. Qu'un homme de près de 30, de plus de 30 ans puisse, n'est-ce pas, la violer, cette petite fille, avec son doigt. Vous avez des enfants? Vous comprendrez. Et j'ai personnellement encouragé ce couple à dénoncer ouvertement cet homme. Parce que
il y a certainement d'autres enfants qui subissent les mêmes choses. Et en France, si cette personne n'est pas dénoncée, c'est non-assistance en personne en danger. Ça peut se retourner contre le couple, contre la famille. Et ça peut aller jusqu'à, l'État peut même aller jusqu'à vous enlever votre enfant. Ça peut aller très loin. Nous avons des cas de personnes comme ça violées qui viennent nous témoigner ce qu'elles ont subi. Et je vous assure, quand vous avez des enfants, des jeunes qui ont subi de telles exactions, et il y en a, leur vie est complètement brisée, détruite. Voilà nos églises. Ça va, ça viole, ça couche, et ça va servir dans les équipes. On dit Dieu est amour. Dieu va comprendre. Même ceux qui disent non, il n'y a pas l'amour, vous n'êtes pas dans l'amour, tout ça. Là, le jour où vous aurez des enfants et que votre fille sera ainsi violée, vous viendrez me voir pour me parler de l'amour. Parce que quand cet enfant me disait, le couple, ils ont remarqué que leur fille ne marchait plus comme correctement. Mes amis, ça fait mal au cœur, nos églises d'aujourd'hui. Yeshua dit clairement, je bâtirai. Ce ne sont pas des hommes qui bâtissent les églises. Faisons attention même avec notre langage en disant, non, j'ai commencé une église, j'ai implanté une église. Non, c'est moi qui ai commencé cette église. Non, c'est l'église du Seigneur. Yeshua a déjà bâti son église. Depuis 2000 ans, je bâtirai. L'église a été bâtie dans Actes 2, où on voit cette église naître par la puissance du Saint-Esprit. Il y a une seule église, il n'y en a pas deux, trois, quatre. Oui, les assemblées locales, oui. Mais ces assemblées-là font partie de l'église de Yeshua, si elles sont véritablement en Yeshua. Donc du coup, ma sœur qui a posé la question tout à l'heure, si tu es enfant de Dieu, tu peux, c'est ta liberté d'aller visiter des frères et sœurs ici et là. C'est ta liberté. Si tu estimes que je dois aller visiter les frères et sœurs qui prient là-bas, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, s'ils sont en Christ, ils font partie de l'église de Yeshua parce qu'il y a une seule église. Il y a un seul corps. Nous nous sommes retrouvés ici toute la journée. Il y en a, on ne se connaît pas forcément. Mais pourquoi sommes-nous réunis ici? Mais la plupart, c'est parce que nous aimons le Seigneur. C'est parce que la vérité est celle qui nous touche. Pourquoi cette famille de la Polynésie est-elle touchée? Alors qu'au départ, cet homme a combattu comme la sœur l'a dit. Parce que cet homme a combattu parce qu'il n'avait pas entendu. Mais comme il est de Dieu, la vérité a fini par le convaincre, par l'Esprit de Dieu. Donc, il y a une seule église. Et frères et sœurs, Yeshua est catégorique, je bâtirai. Donc personnellement, si je suis dans une assemblée où un homme dit que c'est lui qui l'a bâti, je dis ok, c'est ton église, donc c'est normal que ce soit toi qui l'ai bâti, donc je préfère m'en aller. Voilà. Parce que l'église que Yeshua bâti, il l'a bâti comment? Il l'a bâti sur sa parole. Là où deux ou trois s'assemblent, en mon nom, disait le Seigneur, je suis là. Donc cette église-là, elle est bâtie sur la parole, avec la parole, autour de la parole, par la parole. Elle n'est pas bâtie sur des philosophies, sur des conceptions humaines. Elle n'est pas culturelle. C'est une église composée de Grecs, des Juifs, d'Africains, d'Antillais, d'Européens, de tout. On trouve toutes les nationalités. Voilà. On est tous frères et sœurs. Il n'y a plus de barrières. Les barrières ont sauté, explosé. Le mur de séparation n'existe plus. Il n'y a plus église juive d'un côté, église arabe de l'autre, l'église africaine de l'autre. Non, chinoise, asiatique, non. Non, mes amis, non. Yeshua a assez souffert à la croix pour que toutes ces barrières tombent véritablement. Cette église-là, elle est une. Elle n'est pas dénominationnelle. Elle n'est pas traditionnelle. Elle est bâtie sur le fondement qui est Yeshua. Et cette église-là, dans cette église, frères et sœurs, cette église est dirigée par un seul pasteur, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Elle est bâtie apostoliquement, c'est-à-dire elle a une vision globale, la vision du corps. Quand je vois des frères comme beaucoup, hein, qui sont dans la fonction pastorale, comme Sylvain, comme Olivier, comme Atas, comme beaucoup d'autres qui sont là, qui se sont dit, ou des frères de La Rochelle qui se sont dit,
Nous nous reconnaissons dans ce message. Nous nous reconnaissons dans ces vérités. Alors, comme c'est un jour férié, bien sûr, et que les frères et sœurs ne travaillent pas, eh bien, nous allons nous retrouver tous ensemble pour partager, pour échanger. Voilà, frère, c'est ça la vision du Seigneur. Voyez, il y a un seul corps. Il y a une seule vision. C'est de voir Dieu élevé et de voir les âmes sauvées, de voir le monde être atteint par l'évangile. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a des Européens de souche, il y a des Asiatiques, il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Antillais, il y a des Métis, il y a de tout. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des pauvres, des riches. C'est l'Église que le Seigneur est en train, mes amis, de susciter en ce temps de la fin, dans le monde entier. Partout, cette église-là, cette armée de Dieu se lève de plus en plus parce que Yeshua est en train de revenir pour la chercher. Cette église-là, mes amis, que le Seigneur a bâtie, elle n'est pas dénominationnelle. On ne peut pas, n'est-ce pas, la définir comme étant l'église catholique ou l'église protestante ou l'église évangélique. Non! Non! Ces chrétiens que le Seigneur bâtit ne veulent plus ces titres-là, ne veulent plus ces noms, ne veulent plus être confinés, n'est-ce pas, attachés quelque part, enfermés quelque part. Non, 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 ils sont libres. Ils veulent leur liberté, comme Paul l'a dit. Paul a dit aux Galates, il dit, notre mère, c'est la Jérusalem céleste. Et cette Jérusalem céleste, mes amis, est notre mère, et elle engendre des enfants libres. Et Agar, c'est la Jérusalem terrestre, c'est le mont Sina en arabe. Mes amis, cette Agar, cette ville complètement paganisée, dans cette ville, on trouve ces chrétiens religieux qui sont encore dénominationnels, qui sont encore en train de se tirer les uns contre les autres en se disant, non, moi je suis d'un tel, moi je suis ceci, je suis cela, moi c'est mon église, moi c'est mon bâtiment, moi c'est ma maison, moi. Ces chrétiens n'ont pas compris, frère, mais la vraie église, je suis en train de la voir de plus en plus. Partout où Dieu nous envoie. On était à Lyon dimanche dernier, comme on vous a dit. Il y avait près de 700 personnes, de frères et sœurs, que l'on ne connaît pas forcément, qui nous disent, frère, nous suivons le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. On ne les voit pas forcément physiquement, mais ils suivent Jésus-Christ de Nazareth partout. On part aux Antilles, on voit ces chrétiens de plus en plus. On voit en Afrique, partout en Asie, on voit ces chrétiens. En Israël, on voit ces hommes et ces femmes qui se lèvent de plus en plus. Qui ne veulent plus qu'on les enferme dans des dénominations. Qui ne veulent plus qu'on les enferme dans des associations purement humaines. Qui ne veulent plus être enfermés. Paul dit dans Galates 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous laissez pas vous mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Non! Je parlais avec un pasteur il y a quelques jours. Il me disait, voilà, une sœur est venue me voir, elle était tellement détruite parce que elle est partie voir un pasteur et ce dernier, n'est-ce pas, qui a de l'âge, va lui imposer des rapports sexuels. Et cette femme est complètement brisée. Je lui disais, mais toi, qu'est-ce que tu fais dans cette association des pasteurs, sachant toutes ces choses? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu es compromis. Je lui dis, il faut sortir de là, le péché. Je bâtirai mon église. C'est Jésus qui te bâtit. Si un homme vient te voir pour te dire, je veux être ton père spirituel, je veux te former, frère et soeur, courez. Alléluia! Dis à ton voisin, c'est Jésus qui me bâtit. Oui, tu me diras, il se sert des hommes et des femmes, oui. Mais ces hommes et ces femmes ne sont pas là pour chercher les âmes à contrôler, non. Et il dit, le Seigneur, je te donnerai les clés du royaume. On a reçu les clés. Dis à ton voisin, j'ai les clés. Non, il n'a pas entendu bien comme il faut. J'ai les clés. J'ai l'autorité. Alléluia. Sur le péché. Sur les démons. Dis à ton voisin, tu peux aussi baptiser toi-même. Tu peux chasser les démons. Tu peux prier pour les malades. Tu peux aller en mission. Alléluia! Qui est libéré aujourd'hui? Ô Seigneur de gloire. Comment veux-tu savoir si tu as des dons de l'esprit ou de guérison si tu ne pries pas pour les malades? Pendant des années, vous êtes resté assis. 5 ans.
Si on regarde même la chaise sur laquelle tu t'assois, ta place, là, nominative, tu vas voir que c'est usé. Il y a un petit creux, là, à la force de s'asseoir dessus. Avec le feu, là, c'est... Voilà. Maintenant, il faut être debout. Dis à ton voisin, lève-toi. Lève-toi pour le Machia. Alléluia. Lève-toi pour la France. Lève-toi pour les nations. Je bâtirai mon église. Et l'enfer ne peut rien contre elle. Frère, ils vont te faire la guerre, mais ils ne pourront pas te détruire. Ils vont se liguer contre toi. Ils vont te maudire. Mais la malédiction sans cause n'a point d'effet. Au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, Jesus. Les balles vont ricocher. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu n'en seras... Aïe, 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 aïe. Wow. On ne peut critiquer que celui ou celle que Dieu bâtit. Jesus Christ. Il y a quelque chose qui arrive ici, là. Les guerriers et les guerrières du Seigneur de gloire. Ouh, alléluia. Jesus Christ. Les guerriers de Yeshua. Il y a la génération de Gédéon ici, la génération d'Élisée, la génération d'Élie, la génération des vainqueurs, des guerriers, la génération d'hommes et femmes de feu, d'hommes et femmes. Oh, alléluia, Jesus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Des colombes que Dieu bâtit. Ils ont reçu des manteaux prophétiques. Ils ont reçu l'autorité royale. Ils ont reçu, alléluia, ce sont des prêtres. Ce sont des sacrificateurs. Ils sont dans la... Oh, alléluia, dans le sacerdoce de Dieu. On ne peut pas les détruire. La maladie ne peut pas les décimer. Les sorciers ne peuvent pas les détruire. L'enfer ne peut rien contre toi, contre ta famille, contre tes enfants. Aïe, 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 aïe. Jesus. Jésus est là. Il est là. Il est présent. Il est là. Le maître est là. Porte élevée au linteau. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Yeshua, le Dieu le plus beau. Yeshua, le Dieu le plus glorieux. Yeshua, Mashiach. Ah! Il est ici. Il est ici. La nuée est rentrée ici, la nuée de Dieu. La nuée est là. La nuée. Oh, le. Jesus Christ. Regardez-moi ces guerriers, ces guerrières. Ces messagers, ces messagères. Ils vont aller voir des présidents pour libérer le message. Ils vont aller voir des mères pour partager l'amour de Dieu. Des hommes et des femmes du réveil. Ils vont allumer le feu du réveil partout. Le réveil arrive. Le réveil arrive. Prophétesse, prophète, jeune prophétesse, voici l'onction, voici l'onction. Aidez-les, aidez-les, aidez-les. Les prophétesses de Dieu, les prophètes, venez, laissez-les courir, laissez-les venir. Les chantres prophétiques. Tu recevras le chant prophétique. Jeune fille, jeune homme, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. Le feu est là, le feu du réveil. Par toi, Dieu va allumer ton pays, ta ville, le feu du réveil. Le feu, 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 le feu. Le feu. Des dons de guérison. Des dons. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jesus. Il est là, le Seigneur. Il est là. Il est présent. Il est présent. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jesus. Jesus. On veut t'empêcher de prophétiser. On veut t'empêcher de parler. De chanter. Alléluia. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai sauvé. C'est moi ton Dieu. Adonai. Elohenu. El Shaddai. Jésus de Nazareth. Je t'ai mis à l'école. Tu as été blessé, c'est pour te former.
Tu as été blessé, c'est pour te préparer. Tu as été rejeté, c'est pour te préparer, ma fille. Mon fils, un manteau nouveau t'est donné. Un manteau de feu. 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 Laissez-les courir devant. Laissez-les courir devant. Laissez-les courir ici. Le feu. Le feu du réveil. Des jeunes femmes avec le feu de sainteté. Des jeunes hommes avec le feu de sainteté. Laissez-les courir ici. Il y a des bâtons de commandement que Dieu vous donne. Des épées que Dieu vous donne. Les épées. Les épées. Recevez les épées de Dieu. Jesus Christ. Recevez les épées de Dieu. Jésus est là. Oh my God. 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 Oh. Oh. Par toi, je veux toucher ta ville. Par toi, je veux toucher ton pays. Par toi, je veux toucher ton île. Par toi, je toucherai ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Aidez-les. Cours, cours ici, frère, cours. Cours. Et une onction sur lui. Julien, amène-le-moi. Amène-le-moi. Jesus. Laissez-les venir ici. Jesus. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Oh. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Tous les dons que Dieu t'a donnés sont réveillés. Le parler en langue, la prophétie, le don de guérison, de miracles. Tu verras les sourds entendre, les aveugles voir. Ma fille, tes frères me serviront. Ton père sera libéré de l'alcoolisme. Ta mère me servira, te dit le Seigneur. Jesus Christ. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu vas recevoir des chants nouveaux. Des cantiques nouveaux. Tu vas entendre de plus en plus les anges chanter. Et tu reçois des mélodies célestes pour le Seigneur de gloire. Tu vas nourrir les pauvres, les SDF. Tu vas les nourrir, tel est ton appel. Je t'appelle pour les SDF. Tu voulais que je te dise ce que j'attends de toi, mon fils. Va nourrir les pauvres. Fils, fils de ma gloire. Fils de ma gloire. Fils de ma gloire. Fils. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Le feu de Dieu. Le feu est là pour toi. Le feu est là pour vous. Le feu est là pour vous. Tu ne peux pas fuir l'appel de Dieu. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Ton amour. Ton amour. Ton amour. Ton amour. Ton amour. Ton amour. Reviens, viens. Il y a une étoile sur toi. Dieu connaît ton cœur. Dieu voit à quel point tu l'aimes. À quel point tu veux le servir. Beaucoup de jeunes seront touchés. Dieu me donne de te dire qu'il te donne la carte de ton pays. Je te vois. Je vois un ange te remettre la carte de ton pays. Et je vois des jeunes prostituées se tourner vers le Seigneur. Je vois des jeunes violées. Des jeunes mères se tourner vers le Seigneur. Je te vois avec des chants nouveaux. Et c'est terrible comment Dieu va libérer, guérir les malades. Mais si d'ailleurs on en dit Yeshua. Oh Père de gloire. Père de gloire. Oh Dieu de gloire. Waouh. Waouh. Le feu. Frère. Dieu me dit de dire ceci. La France est mûre pour ce réveil. Le Seigneur a dépêché beaucoup d'anges guerriers dans toute la France. Cette année est une année où il y aura beaucoup de visitations du Seigneur. Beaucoup de Français de souche se tourneront vers le Seigneur de gloire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français.
des Français de souche qui vont se tourner vers des Européens vont être touchés. Et je vois des frères et sœurs des Antilles repartir avec ce feu aux Antilles, avec le feu du réveil. Je vois des Africains repartir en Afrique avec le feu du réveil. Oh, alléluia. Jesus Christ. Oh, alléluia. Waouh. Le Cameroun sera visité. La Côte d'Ivoire sera visitée. La Centrafrique sera visitée. Le Congo sera visité, frères et sœurs. Oh, alléluia. Le Sénégal, Dieu va toucher les nations. Dieu va toucher le Laos. Au nom de Yeshua, la Chine est touchée. Dans les coulisses, il y a une action de Dieu, mes amis. Le Brésil. Il y en a ici qui ont reçu l'appel pour le Brésil. Dieu a mis dans ton cœur l'amour pour le Brésil. Je parle à quelqu'un ici. Le Brésil. C'est l'appel que le Seigneur a mis sur toi. Jesus. Jesus. Vous qui êtes là, est-ce que vous pouvez vous lever dans cette présence du Seigneur? Le Seigneur est en train de restaurer des dons de l'Esprit. Des dons de l'Esprit. Il y en a qui ont reçu ce message. Et ce soir, Dieu veut les équiper avec un feu nouveau. Avec un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Personne ne peut éteindre le feu que Dieu a allumé dans la région. Personne. Personne. Les songes que tu avais avant, Dieu te les rend. Tu avais beaucoup de songes. Ça a été étouffé. Voici l'onction du Saint-Esprit sur toi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Avant, tu prophétisais beaucoup des choses qui s'accomplissaient. Tu as été beaucoup attaqué. Voici cette onction sur toi. Avant, quand tu dormais, tu te réveillais avec des chants, des mélodies. Voici de nouveau cette grâce qui t'est accordée. Toi, là où tu es, ma sœur, la puissance de la résurrection est sur toi. Waouh! Waouh! Oh, il y a quelque chose ici. Il y a une onction ici. Là. Il y a une onction ici. Là. Toutes les trois, là, venez ici. Là. Aidez-moi, toutes les trois. Là. Il y a une onction sur elle. Venez toutes les trois, là. Venez ici. Il est digne. Il est digne. Le seul est digne. Sachez-le, le seul est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Sa gloire est parmi nous. Assis. Jesus. Oh oui. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Oui, il est digne, mes amis. Assis. Son trône. Il règne jamais. Adorons-le, adorons-le, mes amis. Il est là. Assis, assis sur ton. Oh Dieu de gloire, oh Dieu d'Israël.
assis. Voici sur toi. Oh Dieu. Oh Dieu d'Israël. Oh. Il règne. La guérison t'est accordée. La guérison t'est accordée. Il est assis, assis. Waouh. Alléluia. Waouh. Des temps nouveaux arrivent pour vous deux. Des temps nouveaux, des temps de visitation. Vous allez beaucoup, beaucoup être envoyés par le Seigneur. Je vous vois avec des épées, avec des instruments en train de défricher des champs, de frayer des champs nouveaux pour beaucoup de jeunes, au nom de Yeshua. L'eau coulera encore dans votre maison, encore et encore et encore et encore. Et je vois des gens qui viennent et ils vont boire. Dieu vous donnera la connaissance de sa parole, une bonne mémoire pour garder sa parole, au nom de Yeshua. Oh alléluia, oh alléluia. Et d'autres enfants arrivent pour vous. La grâce de Dieu, Dieu va vous surprendre. Il va vous surprendre, il va vous surprendre. Oh Jesus. Waouh. Il règne à jamais. Waouh. Dieu a vu tes larmes. Il a vu. Il a vu. Il a vu. Oh, alléluia. Il a vu. Il a vu. Il a vu. Qui veut le recevoir, le parler en langue? Levez vos mains là où vous êtes pour le parler en langue. Père, au nom de Yeshua. Venez, venez vous qui voulez le parler en langue. Venez. David, Benoît, venez, on va prier pour eux. Les personnes condamnées par la médecine également. J'invite Olivier, Caleb, j'invite Sylvain. Venez, on va prier pour ces personnes. Si la médecine vous a condamné également, venez. Alléluia, gloire à Dieu. Il règne à jamais. Angelino, venez prier pour les gens. Priez pour eux. Priez pour eux. Julien, tout ça. Benoît, ils vont prier pour vous. Le Saint-Esprit va faire son œuvre en vous, en Yeshua. Oh, mon grand. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Tu es sa perle. Sa perle.
Il t'a donné un don de guérison pour guérir les malades. Il sait ce que tu traverses. Oh, alléluia. Recevez les dons de l'Esprit de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, Seigneur, merci. Merci, Père. Merci, Papa. Au nom de Yeshua. Merci, mon Dieu. Que vos langues se délient maintenant dans le nom de Yeshua. Que vos langues se délient maintenant dans le nom de Yeshua. Oh, alléluia, magnifique, magnifique, magnifique le Seigneur, magnifique le Seigneur. Voici l'onction du Saint-Esprit sur toi. Voilà, Jesus, voici le feu de Dieu sur toi, jeune fille. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia, 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 alléluia. Voici la puissance de Dieu sur toi. Oh, alléluia, Jesus. Oh, Dieu de gloire, magnifique le Seigneur, magnifique le Seigneur, magnifique. Oh, alléluia, oh, alléluia. Oh, Dieu de gloire, voici la puissance de Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Magnifique, 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 magnifique. Ils te feront la guerre, mais ne pourront pas te vaincre. Car Dieu a mis des choses terribles en toi. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Oh, une onction sur elle. Oh, magnifique, 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 magnifique. Il y a un don de guérison. Oh, que vos langues se délient. Au nom de Yeshua. Oh, une onction sur elle. Jesus. Que ta langue se délie au nom de Yeshua. Jesus. Oh, alléluia. Que ta langue se délie au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Jesus. Au nom de Yeshua, alléluia. Gloire à Dieu, une onction sur elle. Mes amis, là, au nom de Yeshua, alléluia. Oh, Jesus. Oh, alléluia. Jesus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Magnifique. Magnifique Seigneur, au nom de Yeshua. Jesus, au nom de Yeshua. Jesus. Jesus, alléluia. Oh, alléluia. La prière pour toi, Yeshua. Jesus, alléluia. Gloire à Dieu. Il règne. Tu la veux? Oui, au nom de Yeshua. Oh, alléluia, au nom de Yeshua. Seigneur, merci pour mon frère, oh papa. Au nom de Yeshua. Alléluia. Merci pour ton feu, Seigneur mon Dieu. Merci pour ton feu, Seigneur mon Père. Au nom de Yeshua. Alléluia. Merci, merci mon Dieu. Merci, Papa. Merci, Père. Merci, Père. Tu vas donner à manger à beaucoup de gens. Je te vois distribuer du pain aux gens. Le Seigneur va vraiment te donner les moyens pour le faire. Au nom de Yeshua. Et tu vas beaucoup, beaucoup voyager aussi en Israël. Le Seigneur va vraiment te donner des clés pour pouvoir aider. Des femmes battues, des femmes isolées, des femmes blessées, violées. Le Seigneur lui-même va prendre soin de toi, prendre soin de ta famille. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Magnifique, magnifique, magnifique. Les veuves. Au nom de Yeshua. Alléluia. Tu as beaucoup aidé les veuves. Au nom de Yeshua. Waouh. Oh Dieu, tu es magnifique. Magnifique le Seigneur. Magnifique le Seigneur. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Tu vas beaucoup voyager pour le Seigneur. Beaucoup voyager. Tu vas faire plusieurs nations. Tu vas découvrir plusieurs cultures avec la parole de Dieu. Je te vois marcher, marcher comme une folle de Jésus, complètement passionnée de Jésus. Le Seigneur me dit qu'il est ton Père. Il est ton Père. C'est ce qu'il me dit de te dire. Il me dit, dis-lui, je l'aime, je la connais, je suis son Père. Et il va prendre soin de toi. Tout est réglé. Tu vas retrouver la paix. Tu vas retrouver la joie. Et tu vas être un témoignage pour beaucoup de personnes. Au nom de Yeshua.
Oh, alléluia. Magnifique. Magnifique. Gloire à Dieu. Oh, une belle onction de guérison. Au nom de Yeshua. Oh, Jesus. 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 Magnifique. 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 Jesus. Oh, Jesus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Magnifique. 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 Magnifique, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Ça va? Amen. Amen. Magnifique. Magnifique. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut tous se tenir par la main? Merci, papa. Magnifique. Il y a une femme qui souffre depuis des années. Ça fait, tu peux rester 6 mois sans voir tes règles, tes menstrues. Il y a une guérison que le Seigneur est en train de t'accorder au moment où je te parle, au nom de Yeshua. Finis ce problème. Pour cette autre femme qui a ce flux, cette hémorragie, pareil, il y a une guérison qui t'a accordée au nom de Yeshua. Une autre personne qui a un microbe, des microbes dans son corps, qui mange ses globules. Donc tu dois suivre un traitement. Et le Seigneur me dit également qu'il te guérit aujourd'hui au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Une autre personne par rapport au diabète, que le Seigneur a également guéri. Allez faire des examens cette semaine qui va commencer. Et je suis convaincu qu'il y aura beaucoup de surprises au nom de Yeshua. Et une personne a été guérie d'un cancer, du cancer de sein, par le Seigneur, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Y a-t-il des personnes qui veulent abandonner le péché sexuel, qui veulent abandonner le péché sexuel particulièrement? Vous êtes là? C'est que Dieu me fait ressentir là. Avancez juste ici. Si je me tais et j'apprendrai à écouter. Patricia, tu peux prier pour elle, s'il te plaît? C'est possible? Ouais. Elle va prier pour vous, vraiment une grâce. Et une jeune fille ici qui veut aussi abandonner le péché sexuel, qui a honte. Viens, n'aie pas honte. Viens, on acclame le Seigneur. Est-ce que parmi nous, y a-t-il quelqu'un qui a pratiqué la sorcellerie et qui n'en veut plus? Qui veut abandonner la sorcellerie? Lève ta main. C'est toi. Viens ici, on acclame le Seigneur de gloire. Alléluia. La sorcellerie, pareil, quelqu'un d'autre? Lève ta main si tu veux quitter la sorcellerie. Il n'y a pas de honte à voir. Tu viens profiter de cette occasion pour être libéré de ces choses au nom de Yeshua. Vous pensez que Dieu peut la délivrer là, mes amis là? Oh, les deux là, magnifique, magnifique. Qui d'autre veut abandonner le diable ici là, mes amis là? Qui? Il n'y a pas de honte à voir. C'est l'occasion qui te... Même les enfants, si vous voulez abandonner le diable, venez. Venez. Au nom de Yeshua. Waouh.
Dieu peut et veut les délivrer au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous prions pour elles au nom de Yeshua. Que la puissance de la sorcellerie soit brisée dans vos vies aujourd'hui. Au nom de Yeshua, maintenant, au nom de Yeshua, que la puissance de la résurrection vienne sur vous et que les esprits de sorcellerie soient brisés dans vos vies. Maintenant, dans le nom de Yeshua, maintenant. Fini. Fini. C'est réglé, au nom de Yeshua. Réglé. 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 Alléluia. Qui a été guéri aujourd'hui par le Seigneur? Physiquement, guéri par le Seigneur. Vous êtes sûr de cela? Il t'a guéri de quoi? Mal de dos depuis combien de temps? Viens, viens, viens. On finit presque là. Ceux qui ont été guéris, rapidement venez ici, avancez. S'il vous plaît. On donne gloire au Seigneur parce qu'il nous encourage vraiment. Ah, magnifique, ça sort. Qui connaît Sébastien ici là? Sébastien, Sébastien ici là? Sébastien, c'est qui là? Sébastien, je vois avec un fardeau ici, Sébastien, là, tout ça là, sur le dos là. Hein? On a dit Yeshua. Guéri de quoi? Pas Sébastien de Paris, bien sûr, hein, c'est un autre Sébastien. Mal de dos depuis combien de temps? En fait, je suis en France depuis 2 ans. Avant que j'arrive en France, j'avais déjà mal au dos. Là, t'as plus mal? Oui, là, avec, je suis venue devant pour que vous priez pour mon dos. Enfin, ça s'est calmé, j'espère. T'es sûr? Ah, oh, tu espères? Non, c'est bien, c'est fini, c'est vrai. Oui, j'espère. Ben, tu peux bouger sur dos, là, c'est fini. Essaye un peu de faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. C'est fini, c'est réglé. Et t'as guéri de quoi, le Seigneur? Oui, il m'a guéri parce que depuis 3 semaines, j'ai reçu, en fait, un coup par un patient, là. Et tout mon côté gauche était vraiment paralysé, donc je n'étais pas bien. Et hier, je suis quittée de Paris pour ici. J'ai dit, bon, je vais participer parce que j'étais mal toute la nuit. Et là, d'un coup... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni en tout cas. Bon courage, frère Maurice. Je vais quand même prier pour eux. Mon frère Angelino, tout ça, Mao, venez. On va prier pour vous. Mon frère Patrick, venez, je vais prier. On va prier pour vous. Ils nous ont beaucoup encouragés, beaucoup fortifiés. Je veux prier que le Dieu que je sers se souvienne d'eux. À Poitiers, on m'a dit que ça bouge aussi, hein, à Poitiers. Les gens de Poitiers, vous êtes là? Poitiers! Courez ici, là, courez ici, Poitiers, courez ici, courez ici. Aidez-les, 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 aidez-les. Mettez-vous là, je pars. Je peux partir avec toute cette onction. Aidez-les. Voici. Merci. Voici. Nom de Yeshua. Voici l'onction de Dieu. Voici. Aidez-les. Aidez-les. Il y a le feu. Jesus. Une onction. Une onction. Aidez-la. Une onction là sur moi là. Une onction sur moi là. Une onction sur moi là, mes amis là. Une onction sur moi. Jesus. Je peux partir avec. Je peux rentrer avec. Jesus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, oui. Toutes les deux. Ah, venez, il y a une onction sur moi là, une onction sur moi là, une onction sur moi là, mes amis là. Voici la puissance de Dieu. Oh, alléluia, une onction sur moi. Jesus, voici. Oh, alléluia, une onction sur moi là. Waouh, waouh, waouh. Vous la voulez, non, c'est pas cette onction. Jesus, aidez-la. Voici. Oh, alléluia, Jesus. Jesus. Waouh. Tu la veux là? Le feu de Dieu là? Waouh. Jesus. Yeshua. Jesus. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. C'est un manteau nouveau qu'elle reçoit. Qui doit de Poitiers que pour qui je n'ai pas prié là? Et une guérison. Une guérison sur elle. Oh, alléluia. Une onction pour la guérison. Voici pour toi. Oh, alléluia. Jesus. Aidez-le. Jesus. Wow. Oh, Jesus. Oh, alléluia. Jesus. Wow. 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 Jesus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes de Poitiers aussi? Venez, 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 venez. Oh, Jesus. Oh, alléluia. Oh, Jesus. Wow. Poitiers aussi, au nom de Yeshua. Oh, alléluia, Jesus. Wow. Un réveil qui va secouer la région là-bas. Là. Un réveil. Poitiers, Niort, je vois des anges qui sont des anges messagers que tu as dépêchés. Voici l'onction sur vous. Voici le feu de Dieu. Oh, Jesus. Aidez-la.
Le feu va prendre partout là-bas au nom de Yeshua. Aidez-le. Oh, Jesus. Wow, Jesus. Jesus. Le feu. Tes enfants, Dieu te les donne. Te le redonne. Fils, j'ai entendu tes pleurs, tes larmes. Fils. Luc chapitre 15. Fils. Jesus. Je te le redonne. Tu vas voir ma visitation cette année. Une grande visitation. Je veux te justifier. J'ai entendu tes questions. J'ai vu tes questions. Je te réponds aujourd'hui. Et je te guéris. Je t'affranchis. Car je t'aime. Je t'aime. Et en plus de tes enfants biologiques, Dieu vous dit qu'il vous donne beaucoup d'enfants. D'enfants que vous allez adopter dans les pays pauvres. Pour les nourrir. Des orphelins. Je vous vois aller nourrir les orphelins dans des orphelinats. Je vous vois avec des sacs de riz en train de distribuer dans les pays pauvres. Dieu vous dit, je veux vous précéder. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, une onction sur toi là. Un manteau d'Élie, jeune homme. Le feu va te précéder. Jérémie, viens mon frère, viens. Viens. Dieu voit ta persévérance. Viens. Dieu me dit de te dire que tu fais la joie de son cœur. Tu fais la joie de mon cœur, fils. Tu fais ma joie. Dieu voit malgré tes combats. Il voit combien tu persévères. Dieu voit tes larmes. Dieu voit toutes ces souffrances, toutes ces douleurs. Le Seigneur te dit, cette année, je vais faire des choses dans ta vie qui vont te surprendre. Et tu vas même écrire un livre de témoignage. Je veux te surprendre. Je veux t'étonner. Dieu a mis cette grâce en toi, comme Jérémie dans la Bible. Et quand bien même l'ennemi voudrait que tu abandonnes tout, le Seigneur te dit, tu n'as pas le choix. Au fond de toi, il y a toujours cette force qui te pousse vers le Seigneur à la lecture de la parole de Dieu. Et le Seigneur te dit, tu as le bâton de commandement. Dieu va te surprendre. Tu vas être surpris de la manière dont Dieu va se servir de toi pour la guérison des âmes. Tu vas voir des Sidéens guéris, restaurés au nom de Yeshua. Tu vas voir des cancéreux être guéris par la puissance de la résurrection de Dieu au nom de Yeshua. Oh, alléluia, Jesus Christ. Jesus. Oh, alléluia, magnifique est le Seigneur. Je bénis la France au nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Soyez tous fortifiés, encouragés au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Ah, ben, je vais vous bénir. Hein? Je sais que vous êtes déjà bénis. Mais je prie que le Dieu que je sers, qu'il vous surprenne. Il y a une onction terrible sur Patrick. Aidez-le. Il a un appel prophétique. Dieu va te surprendre. Oh, alléluia. Ça, c'est la réponse à ta prière, Patrick. C'est moi qui t'ai appelé. Dans cet appel prophétique, je te montrerai des choses cachées. Je te montrerai des choses cachées. Et ici, Dieu me dit, il y a beaucoup de ces prophètes, beaucoup de prophètes qui vont de plus en plus partir pour faire l'œuvre du Père au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dieu vous donne de l'eau pour beaucoup de personnes, de l'eau. Il va vous surprendre. Tu as demandé au Seigneur de visiter ta famille, tu as insisté, tu pleures beaucoup, Angelino, pour ta famille. Le Seigneur te dit, Angelino, je te donne ta famille. Telle est la promesse que je te fais. Toute ta famille. Il va te renvoyer en Angola souvent pour faire l'œuvre du Père. L'œuvre du Père. Oh, Jesus. Il y a une onction sur lui. Aidez-le.
C'est l'onction d'évangélisation pour amener les âmes dans le royaume de Dieu avec le feu du réveil. Jesus, alléluia. Oh! Wow! Il y a une onction prophétique sur toi. Tu es comme Jean-Baptiste, comme Élie. Je t'aime et je t'aimerai encore, fils de mon amour, te dit le Père. La nuée de Dieu va te précéder de plus en plus. Dans les hôpitaux, tu verras des guérisons qui vont te surprendre. Jesus Christ. Oh, Jesus. Une autorité nouvelle que tu as répandue. Une autorité nouvelle que tu as répandue. Je prie que le manteau qu'il a mis sur moi, que l'autorité pour libérer les âmes vous soit accordée au nom de Yeshua. Je prie pour vous. Je prie pour vous. Je prie pour vous. Oh, Jesus. Oh. Julien, vous l'avez reçu. Aidez-le. Aidez-le. Il y a le feu ici, là. Il y a le feu ici, là. Il y a le feu ici, là. Il y a une onction autour de moi, là, mes amis, là. Le feu de Dieu. Jesus Christ. Allez et libérez les âmes. Allez et libérez les âmes. Allez et libérez les âmes. 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 Celui qui vous combattra, je le combattrai. Moi-même. Je le combattrai moi-même. Je me suis levé pour mon armée. 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 Pour mon armée. Pour mon armée. Je me suis levé. Levé. Mon armée sortira de l'Égypte. Mon armée sort de l'Égypte. Mon peuple sort de l'Égypte. Les pharaons tous vont tomber. Ils vont tous tomber. Regardez, regardez, regardez la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est de nouveau là. Acclamez Dieu. La gloire est là. La gloire est là. La gloire est là. Jesus. La gloire. La gloire. La gloire. La gloire est là. 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 Une restauration totale. Une restauration totale. Une restauration totale. Jesus. 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 Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose sur moi là. Il y a quelque chose sur moi. 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 Oh Père. Viens Seigneur. Ton peuple là, papa. Ton peuple là, Père. Il est là. Il est là. Il est là. Des jougs tombent. Des jougs tombent. Des jougs tombent. Des jougs tombent. La maladie tombe. Les démons tombent. Les trônes tombent. Il te console, le Père. Il te console. Il te console. Il te console. Il te console. Ésaïe 40. Ésaïe 40. Jesus. Il y a quelque chose ici. Quelque chose ici. Ici là. Ici là. Jesus. 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 Hosanna. 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 Jesus. Acclamons-le. Alléluia. 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 Atta, c'est où? Atta, c'est où? Atta, c'est où? Atta, c'est où? Cours vite ici, Atta. Acclamez Jésus de Nazareth, frère. Le feu. Oh Dieu d'Israël. Alléluia. 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 Il y a deux anges qui sont arrivés avec un manteau nouveau pour toi.
Dessus, c'est écrit en feu. Le manteau de prophète. Le manteau d'Élie. Le manteau d'Élie. Le souffle de Dieu va te précéder. Tu vas briser les chaînes de la religiosité. Tu vas briser les chaînes de la religiosité. Tu vas libérer les captifs. Tu vas libérer les captifs. Ésaïe 45, Atas. Le feu du réveil. Jesus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ésaïe 45, c'est pour toi. Ésaïe 45. Je vois des chrétiens quitter la prison, sortir de la prison. Je vois des chrétiens quitter des prisons. Je vois des païens se tourner vers le Seigneur. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Je veux te voir, André. Je veux te voir. André, je veux te voir. Jesus. 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 Dieu te donne la Centrafrique. Il te donne la Centrafrique. Il te donne cette nation pour laquelle tu as prié, pour laquelle tu souffres. Dieu te dit, je t'établis comme sentinelle, comme Ézéchiel, fils. Il y a quelque chose de terrible ici. Je vous dis, il y a quelque chose de terrible ici. De terrible. Tu as assez gémi. Tu as posé beaucoup de questions, Seigneur. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. L'heure est arrivée aussi pour toi. Cette année est une année pour toi où tu vas beaucoup tourner pour moi, où tu vas beaucoup parler pour moi, où tu vas beaucoup parler pour moi, où tu vas beaucoup parler, tu vas beaucoup parler. Dieu te dit, cette radio sera mise en place au Cameroun pour annoncer la parole de Dieu, fils. Je donne les moyens pour cette radio. Au nom de Yeshua. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Le Cameroun, Dieu te le donne, André. Il te le donne encore. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh! La restauration, c'est la restauration pour vous tous. La restauration pour vous tous au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, les guerriers sont debout. Les guerrières sont debout. Les lions sont debout. Les lions sont debout. Au nom de Yeshua. Jesus. Olivier, cours ici. Au nom de Yeshua. Jesus. 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 Laval, courez ici. Courez ici. Courez ici. Jesus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ici. Venez ici. Ouais. Venez. 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 Voici l'onction que tu voulais pour le Seigneur. Voici l'onction que tu voulais pour le Seigneur. Jesus Christ. Jesus Christ. La restauration. L'onction prophétique est sur toi. Jesus. L'onction nouvelle sur toi. Jesus. Jesus. Voici l'onction sur toi. Jesus. Aidez-la. 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 Vous allez beaucoup prophétiser. Dieu vous revêt d'un manteau prophétique. Ma fille. Cette jeune fille. Cette fille. Ta fille. Dieu l'a établie comme Daniel. Dieu l'a établie comme Daniel. Dieu va la mener auprès des grands. Parce qu'elle doit parler. Elle est ma fille. Elle est ma servante. Dites-lui que je l'aime. Que je la précéderai. Que je l'aime, je la connais. Elle me servira. Dieu vous établit le feu. Le feu du réveil va vous précéder aussi. Le feu du réveil. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Ouh. Wow. Jesus. Tu as le bâton. Tu as le bâton en or. Tu as le bâton en or, Olivier. Le bâton en or. Tu as le bâton en or. Dieu te dit, c'est moi qui ai choisi pour toi cette femme. C'est moi qui l'ai mise à tes côtés. C'est une femme vertueuse que j'ai préparée depuis l'éternité pour toi. Car je te donne les nations. Je te donne les nations. Tu as reçu le mandat. Tu vas libérer le peuple. Dieu te dit, cette année est une année particulière pour ta famille, pour ta famille biologique. Je veux entièrement la délivrer, comme tu me l'as demandé. Entièrement la délivrer. Fils, facile. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Au nom de Yeshua. Jesus Christ. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ce sont des prédicateurs
que tu envoies. Alléluia. Ne regardez pas leur passé. C'est une année nouvelle. Une onction nouvelle. Une autorité nouvelle. Au nom de Jesus. 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 Oh Jesus. Oh Jesus. On peut l'acclamer, c'est fini, c'est réglé. C'est bon. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, je ne peux plus là. Jesus. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Gloire à Jésus. On va finir avec des chants de louange. Alléluia. Nous arrivons pratiquement à la fin. Nous bénissons Dieu pour votre présence et pour toutes les guérisons, les délivrances que nous venons de connaître en ces lieux. Et que toute la gloire revienne à notre... Yeshua Mashiach, c'est lui qui vous a attiré et c'est lui qui vous bénit. Alléluia. Donc on chante et petit à petit on va sortir de la salle. Et soyons bénis au nom de Jésus. Oh alléluia et alléluia. Oh alléluia. Et alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Et alléluia. Et alléluia. Jésus est le roi, Jésus est le roi, Jésus est le roi. Oh, Jésus est le roi, Jésus est le roi, Jésus est le roi. Oh, il nous a aimés, il nous a aimés. Oh, il nous a sauvés, il nous a sauvés, il nous a sauvés. Oh, Jésus, je t'aime, tu es mon roi, je veux te louer. Oh, Jésus, je t'aime, tu es mon roi, je veux te louer. Oh, Jésus, je t'aime, tu es mon roi, je veux te louer. Oh, Jésus, je t'aime, tu es mon roi. Je veux te louer.